Hello, troll. Bonsoir à tous. Hop là. Tout chapitre One Piece sorti. Maintenant je dis regarde l'anime. Eh ben. Gros programme. Pop. Bouillabais. Comment vas-tu? Eh ouais, il y a un petit changement. J'ai trouvé. J'ai trouvé comment faire. Alléluia. Même sur la rediff, ils vous verront maintenant. Et ils comprendront les choses. Ah là là. Ça part vite, non? Ouais. Ça reste 15 secondes, je crois, un truc comme ça. Ou 10 secondes. Un truc du genre. Après, c'est réglable. Déjà, ça aussi, c'est réglable un peu. Hein. Alors, le chat. Ah, c'est qu'il faut passer par Internet pour régler ça. Ouais, c'est marqué 10 secondes, ouais, 1m20. La musique, c'est Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Attends, je te mets les. Bah, tiens, on va tester comme ça, on va voir si ça laisse le chat plus longtemps. Ouais, c'est bon, ça laisse le chat un peu plus longtemps. Peut-être un peu trop maintenant. Hop, 15 secondes, ça devrait suffire. Eh ben écoute, ça s'est bien passé. Le boulot, tout ça, truc habituel. Je me suis juste chopé une ampoule. Force de faire des allers-retours pour... régler quelques problèmes, mais sinon ça va. Avec ce nouveau truc, je pourrais me faire des overlays. On va voir mes bêtises à l'écran. Ah ouais. Tu seras plus protégé. Par contre, juste faire un test, hein, vous en faites pas. Si vous allez voir des trucs, est-ce que ça dépasse? Non, c'est bon. C'était pour voir si ça partait pas en dessous de l'écran, si ça dépassait pas. Bon. Sinon, tout cela, on est là pour une chose quand même. Comme même.
Un petit phasmophobia. Rapapam. 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 Alors, faut que je règle également ici. Ah bah parfait. On va foutre le chat juste là. A voir en fait comment Phasmophobia est fait. Pour l'instant, je le mets là. Hop. Jouer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les 1 an du jeu? Ouh, c'est la fête! On explose les ballons! C'est pesable ou pas? Ces ballons de baudruche sont trop durs. Il y a mon autre musique qui fait chier en même temps. Je vais l'enlever. J'ai l'impression que c'est les 1 an, Phasmo. Ghost Hunting Distribution. Happy Birthday. Je pense que ça fait 1 an. Score. Bon, en tout cas, ils ont changé les trucs là. Maintenant, on peut faire partie solo et tout. Ils ont fait une grosse mise à jour. C'est marrant. Oups. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais quitté le jeu totalement. On peut s'entraîner. On fait multijoueur, partie solo. Ils ont totalement modifié l'écran. C'est cool ça. Parce que des fois pour faire des parties en solo, c'était compliqué. On devait faire partie privée en fait tout simplement. Hop. Farmhouse, prison, asile. On va peut-être commencer sur une prison. Sur une prison, n'importe quoi. Sur une farmhouse. Let's go. Oulé, pardon, excusez-moi. Toujours avant. Toujours, toujours. Donnez-nous un signe. Peut-être que j'appuie sur un bouton. Donnez-nous un signe. Parfait. Donc c'est bien ma touche mage. Merci. Bon. Ah, du coup, ça m'a changé les contrats, j'imagine. Grafton Farmhouse. Dans tous les cas, je vais ni à l'école ni dans la prison. À l'école, on a bien vu l'autre fois ce que ça a fait. J'ai mis pratiquement 1 heure à faire le niveau. Oh, nous avons perdu 1 million d'hommes dans cette bataille contre les fantômes. Mais c'est la fête! Comment ça change l'ambiance? Alors, EMF, capteur de mouvement, prenez une photo et découvrez le type. Elle s'appelle Kenneth Johnson et on prend les clés. Tac, comme d'hab. Oups. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à la fin en fait?
compliqué, c'est de mettre la caméra. Comme ça, si la caméra est là, ça devrait aller. Mais avant toute chose, il faut quand même repérer la température. Sachant que je suis en facile, parce que moi le difficile, non, j'aime pas trop ça. Pas parce que c'est dur, c'est largement faisable. Mais on passe beaucoup plus de temps dans le niveau et tout le monde sait que j'aime pas ça. J'aime bien changer un peu. C'est bien le détecteur de mouvement. Ouais, c'est bon. Bon, vous êtes prêts dans le chat à avoir un peu peur? J'arrêterai sûrement vers 23h, un truc comme ça. Donc, on va jouer vite fait tranquillement. Hello. En plus, je suis dans la putain d'ambiance là, j'ai fermé mes lumières. Ma petite lumière, je l'ai mis en couleur rouge. J'aurais peut-être la mettre en couleur verte, je sais pas. Qu'est-ce qui fait le plus peur? Le rouge ou le vert? En fait, c'est cette ambiance qui est pesante, en fait. Ce vous qu'il y a continuellement. Oh, un faux doudou. C'est définitivement ici, à moins que... Non, ils ont réglé ça, on peut plus voir à travers les... Mais ça descendrait pas en dessous de 10 degrés. Normalement, on a le disjoncteur par là. Non. Il va être dans le grenier. On est donc au bon endroit. Ce chat est aussi silencieux que cette maison. Ça fait peur. Tac, non, tac.
Ah putain, à l'extérieur, il y a un truc. On verra pas les heures parce que la lumière est allumée, mais c'est trop bizarre à l'extérieur. C'est la pluie qui fait ça? Marrant. Ah oh. L'heure du crime. Elle peut maintenant m'attaquer. Toujours aussi rapide. Ah oui, ça. Au niveau des dash. Pas aller bien loin. On va essayer d'aller lui parler et on va mettre le dots. Et niveau sanité, 93. Ce n'est donc pas. On peut déjà écarter le Yorei. Sinon, je serai en dessous. J'irai voir ensuite où sont les plombs. Parce que si jamais. Quel âge avez-vous? Je crois qu'il est vieux. Je crois qu'il est vieux. Regarde même plus l'écran. Je suis chamboulé. Bon, est-ce qu'on a une orbe? Et est-ce qu'il va passer dans le dots? J'ai peut-être mal placé ma caméra. L'autre fois, on n'a pas vu de dots. Ce serait bien d'en voir. Behind. Il aurait dit behind. Il fait tellement chaud chez moi que même mon verre, qui est froid, fait de la condensation et mouille toute ma table, tout mon bureau. C'est horrible. Ou alors c'est juste ma transpiration parce que je flippe. Je sais pas. Bon, toujours pas de dots, toujours pas d'orbes. Est-ce qu'on peut enlever les deux? Parce que si on enlève les deux, ça donne déjà de gros indices. Ou est-ce que j'ai mal placé la cam? Dans ce cas-là, je vais y retourner, juste pour placer notre caméra dans l'autre sens. Ah mince alors, ton bureau est mouillé. Là, comme si je m'étais pissé dessus, ok? Oui, parce que je suis tellement grand que si je me pisse dessus, je pisse sur mon bureau, en fait. Bon, bon, bon. Le chat apparaît bien en fait sur le l'écran. Je vais pas regarder. Il cache rien. Quoi que ce soit. Ouais, c'est bon, c'est en bas. Pour changer de sujet, je me suis pris des nouvelles chaussures. Ouais, ça pop bien, parfait.
Et bah, si je pouvais avoir des chaussures que je voulais. Oh! Me suis retourné et j'ai vu qu'il y avait de la. Oula! Pas content. Salut Léo! C'est bon, il est calmé. C'est bon, t'es calmé. Saloperie. Bon, toujours pas de MF. Faut que je sois sur place, j'imagine, pour le MF. On va aller vérifier les traces de doigts. Et on va poser une seconde cam. Histoire 2. Oula, il est pas calmé. Très actif. Il fait nuit. Le disjoncteur, il est où? Évidemment, il est en haut. Donc si je rentre, j'entre là. Faut que je monte. Que j'aille juste au-dessus du fantôme. Putain. Bon déjà, on peut enlever, je pense, Orb et Dot. Oh! Mais c'est nouveau ça! Donc si j'enlève... Si j'enlève le Dots... Salut! Yann. Ouais, c'est Shinsekai. J'ai trouvé comment en faire. C'est trop bien. Je suis trop content. Bon, après, bien évidemment, si je vois qu'il y en a qui s'en sert pour dire des conneries, parce que c'est faisable, dire des conneries, un truc qui est marqué sur la vidéo et qui est pris. Pour le streamer, enfin, c'est pris pour le streamer qui a dit ça et du coup le streamer se fait ban. C'est pour ça que les modérateurs existent. D'ailleurs. Mais voilà. À tout à l'heure, Matt. Alors, du coup, on peut enlever. Il y a Spirit Box. Donc attendez, déjà, preuve. On a Spirit Box. Donc ça, on enlève. Plein! C'est trop bien. On a Spirit Box. On peut enlever le Dots et le. Merde, l'orbe. Donc ce n'est pas un spectre. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, je dis. Ah, donc, on peut carrément enlever le truc, c'est trop bien. Donc, ce n'est ni le projecteur Dots, ni l'orbe. C'est soit un esprit, soit un poltergeist. Si je veux un poltergeist... Esprit, c'est EMF. Poltergeist, empreinte. EMF ou empreinte. On va y aller. Putain, il est actif. C'est un poltergeist. C'est sûr. Ah ouais, putain, t'as pas de chance, Yann, que ça te tombe dessus comme ça. C'est un poltergeist. Je sais même pas pourquoi j'y retourne.
C'est le pro en moi qui me dit ça. C'est sûr que c'est un poltergeist. Salut Guy, fais pas attention à moi. Je te ramène juste une cam. Hop. Non, à chaque fois je me gourde de touche. Voilà. Guy, est-ce que t'as laissé des traces, Guy? Je vais pas prendre ça. Je vais peut-être venir prendre des photos. Est-ce que t'as laissé des traces, Guy? Pas de traces. C'est donc le MF. C'est donc l'esprit, je me serais gouré? Je suis sûrement gouré. On va voir. Ça se trouve, c'est totalement autre chose. On prend Yuken depuis 4 mois. Ah là là, mon pauvre. Alors, mon cher Guy, est-ce que tu me cacherais pas quelque chose? Est-ce que ma cam était mal placée? Non, déjà tu t'amuses, oui, très bien. Mais ensuite, juste pour être sûr que l'orbe et le dots ne sont pas pris en compte. Parce que vu comment il fout le bordel, il aurait forcément touché des murs. Donc il y aurait des empreintes digitales. Donc là, c'est sûr, c'est un esprit du coup. Pour le moment. Ça dépend ce que t'as. Mais si c'est juste, t'es juste enrhumé et mal au crâne, ouais, ça sera pas servi. Ça dépend ce que tu fais aussi. Mais normalement, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges. Ça, Léo. C'est si ça, si t'as rien à dire, t'en fais pas. Hein. À part ça, si ça t'amuse d'écrire ça, mais. Comme tu me l'as expliqué, je sais que t'as quelques problèmes et tout, donc je préfère te le dire directement. T'en fais pas. T'en fais pas, t'en fais pas. Bon, il n'y a pas d'orbe, il n'y a pas de dots. Donc, c'est un esprit. Hop. Voilà. Il s'est juste amusé. C'est juste un esprit. Tac. EMF et écriture fantomatique. C'est trop bien. Alors on va retourner photographier. Je vais lui amener ça. On va quand même revérifier les traces. Ouais. On va quand même revérifier les traces. Je prends quelques médocs. Hop. Non, c'est juste qu'en fait, 0-0. En fait, quand on arrive, on a 5 minutes. Et dès que les 5 minutes sont écoulées, ça veut dire que je peux mourir, en fait. Que le fantôme peut m'attaquer et que je peux mourir. Ah, il me faut l'appareil photo. Hop. On vire ça, on va prendre l'appareil photo. Oui, juste, ouais, voilà. Ça devrait aller.
Pas de traces. Ok. Je prends ça et je me casse. Oh putain de moustique qui me fait chier. C'est un esprit. Sûr et certain. Je sais même pas si c'est obligatoire du coup maintenant. De prendre des interactions. 5 étoiles. Bam! Enfin 3 étoiles, pardon. Une interaction 3 étoiles. Bon écoute, ça s'est bien passé, tranquille. Si tu meurs, fais le correctement. putain. Tu peux mourir, hein, mais mort mieux. Allez, normalement, c'est bon, c'est un esprit. Je tombe que sur des esprits, hein. L'autre fois, je suis tombé aussi sur des esprits, souvent. Si c'est bien le cas. Et c'était bien le cas. Ouais, disco. Pour les 1 an du jeu, ils ont fait ça. Le truc qui colle pas du tout avec le jeu, mais c'est énorme. Hop. C'est celle que je viens de faire, ça. Ah, parfait. Parfait. Il faudrait truc pour mettre mon verre. Parce que là, il sue un peu trop. Ça vient jusqu'à mon PC. Pour ça, je préfère essuyer. Prendre une photo, avoir un membre d'un événement paranormal, faire marcher le fantôme dans du sel. Ok. John Wilson. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors. Tac. Tac. Et tac. Ah, c'est cette maison-là. Dans cette maison-là, je me suis fait tuer à travers un mur, je me rappelle. J'étais là, comme ça, en train de me foutre d'un de mes potes. Et je me suis fait tuer. À travers le mur, à cause d'un glitch. Le fantôme, il fait des use bugs. École, c'était. Dis-toi que tu vas mourir, mais gentiment. Ah là là. Pourtant, cette maison elle est très simple. J'ai jamais eu de fantôme ici.
Ah, c'est extérieur. L'intérieur, vous êtes là. Alors, il y a un sous-sol, mais je vous avoue que j'ai pas vraiment envie d'y aller, hein. Cette maison est très connue pour qu'il y ait le fantôme par ici, en fait. Généralement. Soit ici, soit dans le garage. Déjà, il y a des plombs ici. Bon, ça va. Maintenant, ce qui me fait peur, et pas qu'un peu, c'est qu'il n'est pas là. Et du coup, qu'il va falloir monter ou descendre des escaliers. Encore c'est passable. Si on arrive à 12, on va dire que c'est pas là. Sache que ça pour l'instant. Oh. Ça va être un fantôme de couloir. Putain, pourquoi j'ai pris cette baraque? J'ai cru que c'était une table de Ouija. C'est à l'extérieur que ça fait ça. Ah, Dying Light, c'est un très bon jeu. Quel âge avez-vous, en spécial? C'était ce bouton. J'avais une hésitation. Je me demandais pourquoi ça faisait ça, mais il est bien dans l'escalier en fait.
Il est dans l'escalier. Ah, j'ai essayé de garder mon sang-froid, mais ça a été dur. Ouh. Putain, comment je vais faire s'il est dans l'escalier? Je vais poser ma caméra devant la porte. Je sais pas si c'est faisable. Faut qu'on pose du sel. Mais avant toute chose, hop. Quatre-vingt-douze. J'ai quand même envie d'aller voir en fait en haut de l'escalier. On est à 92, donc il devrait pas m'attaquer. Si je titille pas. Il est là. Il a fait sauter les plombs. C'est une drôle de sensation. En tout cas. Il va être dans le couloir d'à côté, ça va me faire chier. Le problème de ce couloir, c'est qu'il est énorme. Il peut partir sur la droite, sur la gauche, en arrière. Dès que c'est dans un couloir, c'est horrible. D'ailleurs, c'est dans une partie comme ça là où je me suis fait tuer, perso. Il était dans le couloir et c'était hyper chiant parce qu'il voulait aller n'importe où. Bon déjà, on a la spirit box. Si on enlève l'orbe, ça il reste quoi? Il reste ça, mais on n'est pas sûr. Après, ça rajoute le yokai. Et le cauchemar. Deux créatures que j'aime pas trop, hein, je vous avoue. Il est putain d'actif en fait. Il est putain d'actif. Et j'ai vécu l'événement paranormal. Et j'aurais dû prendre une photo. Il n'a pas encore marché dans le sel. Est-ce que ça voudrait dire qu'il vient pas jusque-là?
Je vais aller remettre l'électricité. Voilà, c'est la lumière que je cherchais. Celle-là, je peux la couper. On va mettre celle-là. Et celle-là. Le bip que vous avez entendu, hein, c'était qu'il a utilisé le micro-ondes, quand même. Non, non, dans le camion, il peut pas. J'ai laissé la lumière ouverte. Ça arrange pas les choses, je suis parti trop précipitamment. Mais il est très interactif. N'y a pas d'empreinte digitale. Si j'enlève l'orbe, il me reste l'esprit ou le spectre. Je peux enlever les températures glaciales. Bon, bah, ça change rien. Il me propose pas de vérifier avec un EMF. Ou alors est-ce que je me gourre et il est dans le couloir en bas, en fait? On va y retourner pour vérifier quand même avec la température. Maintenant que la lumière est allumée, le chauffage devrait être allumé. S'il est en bas, ça m'arrange. J'aime pas aller en haut. Ah, vas-y! Ferme la porte! Bah oui! Bah oui, il est là! Bah oui! Non mais. D'ailleurs. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, il n'y a pas d'empreinte. Hop! Voilà. Donc ce que j'ai mis en haut, sert à rien. Il est en bas. Donc j'ai foutu le sel en haut. Donc j'aurai pas la preuve avec le sel. Et j'ai mis le dot en haut et il a fermé. Ah non, il est toujours la lumière. On va les foutre un dot en bas. 77, ça commence à frôler là. Regardez-le s'amuser.
Je t'ai dit de la laisser ouverte. Putain, t'as froid ou quoi? C'est laquelle? Lumière. Celle-là. Oui. Laisse ouvert quand même, hein. Oula! Alors, orbe, dots. Suis-je mal placé pour le dot? Normalement, non. On devrait le voir passer dedans. Ce jeu me donne quand même envie de pisser, hein. Je comprends pourquoi tous ceux qui disent ouais, on a peur, on se pisse dessus. Et bah, avoir peur, ça donne envie de pisser. Mais du coup, si j'enlève le dot et l'orbe. C'est encore un esprit. Allez, on va partir sur ça parce que je suis pas. Voilà, hein. Il a marché. Il a marché dans le sel. Donc il est monté. Problème, c'est qu'il a pas éteint la lumière là-haut. J'aimerais bien qu'il fasse sauter les plombs au final. Parce que là, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Je vous avoue. Contre. Totalement. Et ça me ferait chier de perdre tout mon matériel en fait. Parce que quand on meurt, hein, on doit racheter tout notre matériel. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Je pense qu'on a eu notre signe. Les combines. Il veut toujours pas fermer la lumière. J'ai l'impression de voir un orbe. Mais c'est peut-être que moi, en bas, au niveau du tapis. Trop rapide, je pense pas que c'en était une. Un, pardon. Écoutez, on a deux preuves, ça nous fait 10$ et 10$ ça fait 20$. Même si je trouve pas quel fantôme c'est, je suis content. Vous la sentez la poule mouillée? Poule mouillée, mais
Si c'est un esprit. Un fantôme. J'avais pas envie de rentrer. J'avais pas envie d'y aller. Un fantôme. Je peux pas voir ce que c'était. Bon, je vais pisser, je reviens. Discothèque. On a senti que cette journée de travail m'a tué. Hein. Je dis que tout va bien, mais en fait, je suis mort. Mais mort de fatigue. Mais ça me relaxe tellement de jouer. C'est fou. Si jouer aux jeux vidéo ne me relaxait pas, je pense pas que j'y joue, en fait. Mais peu importe le jeu vidéo auquel je joue, si je l'aime, ça me relaxe. Bon. Oh, sacré tapis. Attendez, parce que je suis un spécialiste des tapis. Il ressemble beaucoup au tapis royaux, en fait, c'est ça qui me fait marrer. Il ressemble beaucoup au tapis royaux de Moyen-Orient. Et c'est très beau. Shooter dans le ballon. Ça s'appelle comment le truc de... d'éclater les ballons avec ses couilles. Cherchez pas ça. Cherchez pas ça. là, 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 là. Le tapis d'un, hein, ouais. Mais non, j'ai pas du tout bu. Il y a vraiment des fétichistes d'éclatage de ballons de baudruche avec les couilles. Je déconne pas. Le premier à en avoir parlé, c'est Antoine Daniel, hein, dans ses What the Cut. C'est pas moi qui recherchais moi-même, hein, vous en faites pas. Je suis pas non plus fou à ce point.
Taille du lieu petit, objet recommandé, thermomètre, on y va, hop. Caméra, du coup, ça veut dire que j'en ai déjà une. En fait, ça y est déjà, donc ça me sert à rien de les mettre. Par contre, on peut faire ça. Et un trépied. Quand même, la deuxième caméra tout à l'heure, bah, c'est elle m'a sauvé. Enfin, elle m'a sauvé, elle m'a aidé. Bref, moi je prends tout. Hop, je suis prêt. Et on y va. Quelle maison? Ah, c'est la même que tout à l'heure, merde. EMF, assisté, capteur de mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a au moins EMF 5 dans le truc. Le truc est fait à peu près comme ça, hein, j'ai l'impression. Dès qu'il parle d'EMF là-dessus, ça veut dire que le fantôme est un EMF 5. Je prends ça et. Ça. Hop, let's go. Pas le temps de niaiser. Oh, sacrée caméra. Watchamashimas. Bon. Ça m'a l'air ok. Pas de table de Ouija. Ah non, c'est pas la même maison. Ouf. Mais ah, trop bien. Ah, c'est de vendredi prochain. Eh ben, c'est beau ça. On convertit des gens. La saison 6 de My Hero Academia, il y a le trailer qui est arrivé. Ça envoie du lourd. On va enfin voir le combat entre Midoriya et l'autre avec ses mains. Boy. Quel âge avez-vous? Ok, va aller chercher. Je peux pas m'avoir, je vous vois pas, vous pouvez pas me voir. Ah putain. Oui, c'est le genre de bruit que je déteste. Mais sinon, est-ce que vous êtes prêt pour une petite interview? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? C'est pas très causant, dis donc.
Ouais. À un endroit difficile d'accès, quoi. Il y a beaucoup de trucs comme ça, c'est assez marrant à regarder. Putain, c'est fou. Ah merde, j'ai pas mis de caméra. C'est fou comment j'ai pas perdu de santé mentale malgré l'attaque que j'ai subie. Là. Le truc, il était carrément en train de me susurrer dans les oreilles. Ah, tu l'insistes. Ouais, bah, j'y ai assisté à l'événement paranormal. En tout cas, mon cul qui a failli assister. Maman, je veux pas y aller. Pourquoi j'en redemande ce jeu? Ce jeu? Pourquoi j'en redemande? Là, y a Matt qui revient. Pourquoi? En plus, les 5 minutes sont passées. T'étais pas là, Matt. Le fantôme est arrivé, il m'a fait dans l'oreille. Moi, tu vois, j'avançais comme ça, le fantôme, il est apparu pratiquement là où il y avait le PC, j'ai fait, hop, contre un mur, j'ai fait, tu me vois pas, tu peux rien faire. Bon. Du coup, je sais où il est. Il est dans un endroit chiant en plus à accéder, hein, on va pas se cacher. Caméra. Hop. 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 Voilà. Après les caméras. Est-ce qu'il est actif? Non. Pourquoi je veux regarder? À chaque fois j'ai le réflexe, mais non. Les dots. Voilà. Allons-y. Ouais, c'est fait exprès. J'en ai plus besoin, donc je l'ai balancé, puis je l'écrase. Comme ça, les preuves. Il n'y a pas de preuves. Ah merde, je dois ramener les preuves. Ah merde. Bon. Il a allumé la lumière? Ah, mais il est ici. Ah, mais ça change tout. Hop. On recommence. Technique de l'extérieur.
J'aimerais tellement que le DOTS fonctionne. Ah d'ailleurs, du coup, c'était quoi le fantôme? Spiritbox, j'avais eu. Putain, il y avait le DOTS. Et empreinte digitale que j'avais. Pourtant, j'ai passé le truc au peigne fin, quoi. Un mois encore à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Pour My Hero Academy? Donc il aurait fallu Spirit Box empreinte. J'aimerais tellement voir l'effet du DOTS. Je l'ai vu vite fait en vidéo. J'aimerais tellement le voir là. C'est juste que je sais pas le placer en fait. Je le place toujours au mauvais endroit. Ou alors faudrait que je le passe contre le mur, peut-être. On va y retourner. Je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais mettre la caméra dedans, au fond à droite là-bas. Il est pas actif. Putain, il est pas actif, hein. Pas très très actif, le petit fantôme. On va prendre le détecteur de mouvement. Et on va prendre. Pourquoi pas un EMF? Hein? Sanity 94. Allez, c'est la fête! Oui, j'ai une sanity de 94%, donc faut quand même que je sois un peu con. Pour My Hero Academia? Bon, faudrait déjà que je rattrape le moment perdu. Je crois que j'en suis à saison 4. Élève dans une future mage. Ah non, non. Ce jeu, en fait, il est très bien comme il est. Peut-être que je l'allume. Une vacance, hein? Il lit pas son chat, Bougou. Mais j'arrête pas de le lire. J'ai loupé un truc. Vacances, c'est de poisson rouge. Mais t'en avais pas parlé. Je me souviens pas toutes les vacances de chacun. Il est pas encore passé devant le capteur. Oh. C'est la faute de rien aussi. On parle de On parle de My Hero Academia et d'un seul coup il part sur ses vacances. Est-ce que j'ai des vacances moi? Non. Bon.
Putain, c'est tellement horrible. Quand c'est dans des couloirs comme ça, on peut pas déterminer en fait où il va apparaître et tout. Tout à l'heure, je me suis gouré à cause de ça. Tous les jours, c'est des vacances pour toi. Ouais, en quelque sorte. C'est pas pour ça que j'en prends plus. Eugène ferme la porte. En face là-bas? Ah ouais. Là, j'ai aucun indice. Mais vraiment aucun. Mis à part que je flippe comme un dingue, j'ai vraiment aucun indice. Parce que j'aime pas en fait quand c'est comme ça et que c'est dans un couloir. C'est hyper chiant. Il est venu jusque-là. Il est venu jusque-là. Mais il est vraiment pas très actif. Et comme d'hab, je vais enlever le dots et l'orbe. Du coup, ça nous laisse ça. Spirit Box, il m'a pas répondu. Donc ça nous laisse ça. Il n'y a pas de température glaciale. Après, la température glaciale, elle peut venir après. Donc, où est-ce que j'ai laissé? Température glaciale peut venir vraiment après. Mais on capte la température d'ici. Non, je rigole. Ce serait tellement bien. Bon, ça va, on a deux indices, ça fait qu'on a 20 $. On va pouvoir se payer la bouffe aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher un EMF ou de trouver des preuves? Franchement. Hein? Franchement. Je sais ce que vous allez répondre. Exactement. C'est bien ce que je me disais. Vous les voyez, les températures négatives? Elles sont belles, hein? Donc, j'allais partir sur un mailing. Pour un peu. C'est bon, il faut vous entendre. démon, ombre, djinn. Sachant qu'il a allumé la lumière, je pense pas que ce soit une ombre. Dès que je suis rentré sur son territoire, il m'a attaqué. Si c'est un djinn, qu'est-ce qu'il faut qu'on vérifie? Empreinte digitale, température glaciale. Empreinte digitale, on peut vérifier ça comme ça. On peut mettre des traces de doigts sur les portes et sur les fenêtres. Il est encore passé devant le détecteur de mouvement.
Mais vu le bruit qu'il faisait, si c'est un jean, faut qu'il change sa braguette. C'est ce que j'allais dire. Putain, je suis dégueulasse. Mais non. Franck, pas ça, Franck. Pendant que j'ai repris mes esprits, il n'y a pas moyen d'ouvrir la fenêtre? Oh, ce serait trop cool que dans le futur ils mettent un moyen d'ouvrir les fenêtres et qu'on puisse sauter par la fenêtre. J'ai quoi d'autre avec moi? Ça? Bon, on sait très bien que c'est température glaciale, donc je peux laisser, j'en ai rien à faire. C'est vraiment ça en fait qu'il me faudrait. Il touche beaucoup à la lumière. Je l'avais vu, Léo. Pas besoin de spammer. Ça concerne pas le stream. Y a pas de trace. Pour moi, y a pas de trace. Et il a coupé. Sinon, on verrait une trace de doigt là. Il s'amusait à les allumer tout à l'heure. Donc il n'y a pas de trace. Donc ça ne peut pas être un jean, c'est forcément un putain de démon. Parce que si on met l'écriture et ça. Ah non, non. Non. Ah, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'empreinte. C'était soit un démon, soit un jean. Soit une ombre, d'accord. Donc s'il n'y a pas d'empreinte, ça ne peut que être une ombre. Flout, c'est quand tu spams un message parce que tu crois qu'il n'a pas été vu ou un truc comme ça. Ça fait du n'importe quoi dans le chat. C'est pour ça. Ouais, exactement. Aussi. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'orbe, il n'y a pas de dots. Ça va être une ombre. Allez hop. Je porte pas mes couilles, je me casse maintenant. Ouais, je disais démon. Pourquoi ça a coupé le démon? J'ai pas eu les empreintes digitales. Mais il touchait à tout. Et il n'y avait pas d'empreintes digitales. Oh. C'est le EMF qui coupait le démon. C'est parce que j'ai pas trouvé le EMF. Mais ouais, mais le EMF c'est chiant. Faut rentrer dedans.
Le gars qui veut pas jouer au jeu, en fait. Mais vous avez pas entendu ce qu'il a fait au début? Attendez. Est-ce que je peux reculer? Non, je peux pas. Ah, le bruit qu'il a fait. Mais j'ai plus d'amis qui jouent à ça. Enfin, la seule amie que j'ai qui joue à ça en ce moment, elle est occupée. Elle a beaucoup de boulot. Sinon, je lui proposerais bien de jouer. Mais... Parce que même en faisant un clip, c'est pas possible de retrouver le truc. Ça remonte à trop loin. Ouais, ça remonte les empreintes digitales. Ta gueule, Franck. Empreintes digitales, ouais. Le jeu, 20 balles, je crois. 3 balles. Il y a une sacrée différence entre les deux. 20 balles, il me semble. Alors. Écoutez. On se fait l'école et on termine là-dessus parce que je sens qu'elle va durer longtemps. Hop. Bâton d'encens, photo. Faites en sorte que le fantôme éteigne une bougie. Ah, fait longtemps ça. Alors on va essayer de trouver le fantôme avant qu'il coupe le courant. Hein. C'est un peu mieux. En vrai, être tout seul, ça change tellement les choses. C'est horrible à quel point ça modifie l'ambiance. Bon, ça c'est le gymnase, je m'en fous. Est-ce qu'il va pas être là directement? Si c'est encore un fantôme de couloir, je quitte. Hein. Parce que les couloirs de cet endroit-là, c'est même pas la peine d'essayer, en fait. Chaque fois que je joue à ce jeu, j'ai mal au bide. Je devrais pas stresser comme ça. Je devrais pas. Vous voyez ce que vous m'infligez? Vous êtes content de vous? Debout depuis 5 heures. Oh là là. Mon pauvre. Avec la maladie et tout ça, c'est chaud. C'est toi qui as choisi le jeu. Et c'est qui va en courage, hein? C'est qui va en courage? Trop changeant ici, je passe.
Ces bruits de porte de merde à chaque fois que je les ouvre. Bonne nuit, Léo. Ouais, tout à l'heure, je sais pas. Je terminerai sûrement la prochaine fois. Enfin, je termine après cette game, donc bon. À part si je crève dès le début, mais... C'est étonnant quand même. Elles sont toutes à 20 degrés. Et là, celle-là. Quatorze, quinze. Suis perplexe en fait. Est-ce que c'est parce que c'est un endroit où il n'y a pas de chauffage? Est-ce que c'est parce qu'il y a le fantôme? 17 degrés, c'est pas possible. Ou alors faut vraiment que ça descende à 12, 11, truc comme ça. Le 13, c'est limite. Mais... C'est pas ça. Tu comptes rien faire après? Bah disons que je suis un chouïa crevé. Donc... J'arrête pas de bailler depuis tout à l'heure. Je vais peut-être farm tranquillement sur Genshin. Avec Alix un peu, et puis j'irai me coucher direct. Le problème c'est que si je veux farm avec... tout ça que je voudrais le faire en si je veux le faire en live après faudrait qu'Alix vienne sur sur Discord en fait mais bon je préfère farm tranquillement puis aller me coucher directement après. Tranquillement comment ça quelle heure de quoi? Demain? À 11h30. Mais le problème n'est pas à quelle heure je vais me lever et quelle heure je commence, mais le problème à quelle heure, jusqu'à quelle heure je vais tenir réveillé en fait. Bon, il aurait dû au moins agir un peu en ouvrant une porte ou en allumant des lumières. Je sais pas ce que je vais faire, ouais. C'est le problème d'être en week-end. Faut te mater des ennemis. Oh oh oh! Fantôme de cuisine? Non. Après, juste que la chaleur vienne. Il y a deux endroits qui sont comme ça quand même.
Sinon, là, je suis à l'entrée. Ouais. On va retourner un peu au camion. Histoire de vérifier ma sanité mentale. Où est la sortie? Ah, une plante! Flemme. Il est actif. Ouf. J'en ai pris un petit coup quand même. J'ai pris un tout petit coup de flip. Mais sinon, on n'a toujours rien trouvé du coup. On peut peut-être vérifier déjà sur les caméras. C'est pas le gymnase, c'est sûr. Pas le hall d'entrée, c'est sûr. Tellement de caméras dans cette école. À l'étage où... Non, parce que j'ai pas encore fini en bas, mais peut-être. Bon, quand je me regarde, c'est la saison 2. Faut que je commence la saison 3, moi. Elle a l'air tellement stylée. Ah. C'est en haut, ça. Regardez. Il y a une porte ouverte au bout. Il me semble que c'est en haut. À moins que ce soit la porte ouverte sur l'extérieur. Ou alors c'est juste un bug de texture. Deux saisons pour l'instant. Bah, celle avec Veldra, c'est quoi? C'est la saison 2? Moi, je suis de ceux que la saison change selon l'opening, en fait. Donc, je sais pas ce que tu appelles saison 2 ou saison 1, en fait. Il a pas coupé. Sol mouillé. Attention. Ça, c'est les anciens surveillants qui sont arrivés. Qui se sont pissés dessus. Attends, j'ai mon oreille qui me gratte, c'est horrible. Merci les moustiques. Je boucle la vidéo avec une nouvelle animation de One Piece. Ah oui, la nouvelle animation. Pour moi, vu comment il est actif, il a forcément ouvert la porte, déjà.
L'effet de lumière sur les chaises qui fait flipper. C'est occupé. C'est là-haut. Vous l'avez entendu. Il fait, eh oh, je suis là. Ah, putain. Allez, on y retourne. Mais ça veut dire que c'est en haut et tout au bout. C'est horrible. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de thermomètre. Regardez, il n'y a même pas besoin de thermomètre. Facile pour vérifier la chaleur, mais... Ouais, voilà. Donc, température négative. Quel âge avez-vous? Non, attendez. Quel âge avez-vous? Que voulez-vous? Donc ce n'est pas la Spirit Box. Mais température négative, très bien. On va faire ça vite fait. On va revenir avec les empreintes et la caméra. Maintenant que je sais où il est, je suis un peu plus serein. Mais n'empêche que je peux mourir, quoi. D'accord. Toujours vers l'extérieur. Des fois, il répond pas tout de suite. C'est pour ça que j'ai laissé le truc sur place, au cas où. Mais généralement, ils sont très causants. Mon lapin qui me passe entre les jambes, il m'a fait flipper. Putain, je baille durant toute la tout le stream, c'est fou ça. Donc, faites en sorte que le fantôme éteigne une bougie. Merde. L'autre truc, c'est quoi? Bâton d'encens? Non, pas ça que je voulais. C'est... Tac, tac. Tac. Santé mentale. 76. Limite. Quand on revient, faut prendre des médocs. En tout cas, on peut mettre température glaciale. Ça enlève pas mal de trucs. Ah ah ah, non, il y a le revenant encore dedans. Ah ah ah.
Allez, un peu de courage. Hop. Pas d'empreinte. Hop. On y retourne. Dommage qu'on puisse pas sauter par la fenêtre. Ce serait tellement stylé s'il mettait ça. Au moins le de pouvoir ouvrir les fenêtres, en fait. Et de sauter par-dessus les trucs. Bien sûr, avec un malus, si on tombe de haut. Genre, on est ralenti pendant quelques instants, un truc du genre. Il était pas du tout actif. J'ai dire ces mots, je suis remonté, mais non, c'est juste un bug d'affichage. Bon. La lumière est encore allumée. Ça veut dire déjà qu'il a laissé les plombs. Dots. Et je vais devoir faire un aller-retour à la fois pour le... pour l'encens et la bougie. Si je veux avoir une lumière sur moi, bon, déjà un truc, voilà, histoire d'être sûr de pas se faire déhanter. Ça, normalement, je suis full. Exactement. Toujours pas trouvé comment faire fonctionner le livre maintenant. Vraiment faire le perso qui court vite. Oh, ça va, il court assez vite là, on a un sprint quand même. Par contre, il devrait nous mettre une barre de sprint. Remarquez, après, ça se calcule. Genre, on peut courir 5 secondes et on doit attendre 10 secondes pour que ça se régénère, quoi. Ouais, il écrit dedans, mais il y a un nouveau truc en fait qu'il faut faire. Genre le toucher ou un truc du genre. Non, mais oh! Je crois que c'est poli ça, mon gamin. Je crois que c'est poli. C'est pour toi. Je t'ai dit non. Attends. Non, mais oh! Je crois que ce martien veut communiquer.
Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Il répond pas. Hop! C'est sûr et certain. Non mais, faut éteindre. J'aime pas ce bruit. Est-ce qu'il a écrit? Non. Est-ce que je me casse? Oui. J'ai un frisson dans tout mon corps à chaque fois que je joue à ce jeu. Donc c'est un frisson constant et c'est pour ça que j'ai un peu mal au bide en fait, parce que ça. Putain, il est essoufflé, ça m'a fait peur. En fait, ça me fait vibrer mon corps. Tu vois le Gersegon? Sauf que je fume pas. On va pouvoir vérifier le DOTS et les orbes, du coup. Il me semble avoir vu le DOTS de loin. Orbe, vous la voyez? Elle est belle, hein? Oui, chef. Oh, vous avez vu? C'est ça le DOTS. C'est bon là, j'ai plus besoin d'y retourner. Trop stylé. Et des fois il danse. Yurei? Putain, je disais, c'est pas un Yurei, je perds pas d'énergie. Ah, si, quand même un peu. Putain, au début, je disais, c'est pas un Yurei, je perds pas d'énergie. Eh ben si. Eh ben si. Ils ont réglé le problème, parce qu'avant, les Yurei, putain, qui pompaient. Le voyez? On dirait un Gollum. Putain, qui pompait l'énergie des Yurei au début. Ah, j'en profite là. J'avais jamais vu les dots, enfin, par moi-même. J'en profite. Magnifique. Magnifique. Il sautera jamais sur l'écran. Enfin, si, il va peut-être courir vers l'écran à un moment, quoi, comme il l'a fait pratiquement au début. Et putain. Ouais, voilà, ça. Ils font sur l'écran, c'est un streamer. Tu vois un espèce de squelette te foncer dessus. Et là, on voit. Ah, putain. C'est le quartier de l'école, c'est ça. Ah putain, bon. J'ai quitté mes 2 heures d'école parce que t'as pas ton carnet. Bonne chance pour faire de cauchemar, et ben on verra. On verra, on verra. Du coup, Yurei. Tac tac, tac tac, tac tac, tac tac. Rien qu'en faisant. Je flippe, des fois. Allez, encore un pour la route.
Comme quoi, le dot, ça peut être tout le talent d'affilée, mais ensuite plus rien. Ah ouais. Genre comme un titan dans un mur. DR. Bon, allez. Du coup, on a l'épreuve. C'est un Yurei. Je vais pas faire ces trucs-là. Voilà. Maintenant que j'ai le fantôme, je m'en fous un peu. Ouais, Yurei, c'est la fête. Eh ben c'est bien ce soir, j'aurais fait un sans faute. Je suis pas bien. Je devrais pas m'infliger ça. À chaque fois, j'ai envie de jouer à ce jeu. À chaque fois, je suis mal après. C'est horrible. C'est comme aller modérer chez Maillard, en fait. Voilà, c'est ça. On va se poser un peu sur Genshin. Tranquillement. Je vais pas faire ça en live parce que voilà. Je veux faire ça tranquillement, tranquillement. Mais c'était marrant. Et du coup, la rediff apparaîtra sur YouTube. Et il y aura le chat. Enfin, normalement. Ça, c'est beau, ça. Bonne nuit, Yann. Allez. Hop. Sur ce, moi aussi, je vais m'arrêter là. Je suis encore niveau 13. Putain, je perds beaucoup mon dernier niveau. Ah là là. Sur ce. Hop, ouais. Sur ce, je vais vous dire tous à la prochaine. Normalement demain soir, en fait. Normalement. Sur Genshin Impact, avec Alix. Et cette fois-ci, ce sera un vrai live et pas. Là, il vaut pif comme ce soir. Où on fera du coup les boss. Ben non, les boss, on les a fait l'autre fois ensemble. Non, il me semble. On les a tous fait ensemble. Bon, encore aller. Ouais, on a tout fait hein, cette semaine. Ok. Donc on va continuer l'histoire demain avec Alix. Du coup. Ok. Bon. Sur ce, moi, je vais disparaître. Et je vais me balader. Moi, je vais disparaître. Ah, demain, du coup. Et demain, j'hésiterai soit à faire ça sur Twitch, soit sur YouTube, je verrai. Bon débarras. Allez, bonne nuit.